je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Madame, vous courez souvent après le temps, les enfants, le travail et ce fichu dîner à préparer pour le patron de votre mari qui vient dîner ce soir avec sa dame. Attention, pas avec Saddam Hussein, sa dame, sa meuf. Je vous propose une recette facile, économique et pratique, succulente surtout à réaliser avec notre ingrédient du jour, l'huile. Commencez par verser dans un saladier environ un demi-litre d'huile. Versez énergiquement de façon à réveiller les molécules grasses. Bien, lorsque vous avez fini, vous laissez reposer. Dans un bol à soupe classique, versez environ un quart de litre d'huile que vous allez mélanger avec 2 cuillères à soupe d'huile. 1 et 2. Voilà. Vous allez maintenant mélanger énergiquement votre saladier d'huile avec votre bol d'huile dans une casserole. Ajoutez une dizaine de verres à kirsch d'huile, petit à petit, pour que le mélange prenne bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est une partie importante de la recette, puisque vous mélangez l'huile à l'huile. Quand vous avez terminé, vous laissez reposer à feu doux. Voilà, dernière partie, la plus facile, vous allez couper les petits morceaux d'une brique d'huile congelée que vous allez disposer dans une assiette que vous aurez au préalable remplie d'huile. Voilà, vous disposez maintenant dans votre plat huilé des petits morceaux d'huile congelée, comme ceci. Voilà. Vous nappez avec votre casserole remplie d'huile tiède que vous aviez fait cuire au préalable. Et vous versez un quart d'litre d'huile sur l'ensemble. Voilà. Je goûte. Ça manque peut-être un petit peu d'huile. Couvrez le tout avec un bon litre d'huile. Si vous n'avez pas d'huile, vous pouvez toujours utiliser de l'huile. Voilà. Servez le tout avec une bonne bouteille d'huile et de la margarine en accompagnement. Voilà, la prochaine fois, je vous apprendrai à cuisiner une autre matière grasse, le beurre. Bonsoir, merci d'avoir suivi cette recette et à la semaine prochaine. Si vous voulez retrouver cette recette, n'hésitez pas à aller sur notre site www.cuisinegourmand.com ou sur Minitel 3615, code cuisine gourmand. Au revoir.